Sosie étant Ashkenaz, peu de gens le savent. Tout le monde le sait. Alors, j'ai une petite surprise pour vous, monsieur Estrosi, que j'aime tant. Madame Watney, asseyez-vous. Les Estrosi séfarades qui se lèvent toujours. Chaque fois qu'on rend hommage à un Ashkenaz, les séfarades se lèvent. Ils ont peur, ils se disent. Non, Martine, elle fait des choses pour la ville extraordinaires. Vraiment, vous avez beaucoup de chance. Alors, monsieur Estrosi, voilà, j'ai une petite chanson pour vous qui vous tient à cœur. Alors, je vous avoue qu'à la base, je ne parle pas trop cette langue, mais j'ai voulu, voilà, je me suis appliqué, je m'excuse d'avoir le papier dans les mains, mais voilà, vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas ma salle, c'est votre salle. Je lui dis, vends les tableaux. Alors, je m'excuse. Alors, je vais vous chanter. je suis désolé, je suis vraiment nerveux, pardon. Je vous aime tellement, je ne sais pas comment vous le dire, je vous adore. Vraiment, je vous adore. Et la chanson, pardon, que tous les hommes juifs chante le soir avant de se coucher. J'ai pas oublié un mot là. Avant de se coucher, voilà, c'est ça. Si tu peux lever la musique un peu plus fort, parce que moi déjà, je reviens un peu plus tôt. Musique. Je l'attire.
C'était important,
Puisqu'une fois, j'ai demandé à mon père, papa, est-ce que c'est toi qui m'as donné ton intelligence? Il m'a dit, je crois que c'est ta mère parce que j'ai toujours la mienne. Et ça, c'est vrai. Une fois, j'ai demandé à mon père, papa, qu'est-ce que ça coûte un mariage? Il m'a dit, je ne peux pas te dire, je paye encore. Et c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, excusez-moi.